Il y a plusieurs applications aujourd'hui qui existent si l'on est seul et que l'on veut trouver un compagnon de table, Eat With ou Never Eat Alone. Alors il y en a une qui va plus loin, elle vous propose, en plus de trouver quelqu'un avec qui manger, de maximiser votre réseau professionnel, de rentabiliser votre pause déjeuner. Donc on n'arrête jamais de travailler. Ça s'appelle LinkedIn. Jamais, non, on n'est pas loin. Ce site existe depuis 2012, il s'appelle Colunching, il fonctionne dans 3000 restaurants. Donc dans toute la France. Oui, aujourd'hui. Ce site pour Colunchée compte 22 000 membres. J'ai passé un petit coup de fil à celle qui dirige cette entreprise, Fabienne Neveu, pour qu'elle m'explique comment ça marche. Colunching, c'est le premier réseau social de rencontres amicales et professionnelles autour du repas. On a actuellement un peu plus de 22 000 membres dans toute la France et le fonctionnement, en fait, ce sont des repas thématiques et géolocalisés. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, vous remplissez votre profil, vos centres d'intérêt pro et ou perso, ainsi que votre géolocalisation. Et à chaque fois qu'un repas, un colunch est organisé par un membre, si les critères correspondent, vous êtes invité automatiquement. Beaucoup des jeunes d'un sandwich devant leur ordinateur et c'est dommage parce que le repas c'est le moment par excellence du partage et de la convivialité. C'est également un des moments rares qui nous reste de libre parce qu'on doit tous déjeuner. Donc pourquoi pas en profiter pour à la fois faire un bon repas et rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent nourrir notre réseau. Rentabiliser sa pause déjeuner, effectivement, c'est un des aspects de Colunching, mais c'est également juste tout simplement pour rencontrer de nouvelles personnes avec qui on partage des centres d'intérêt. Alors, pour vous donner une idée de l'ambiance, je vous donne le thème des prochains Colunch. Développement commercial, stratégie de prospection. Voilà. Colunch, la Silicon Valley. Et donc on a le droit d'avoir vraiment un banana split avec ça? On a le droit, oui, effectivement, bon. De prendre entrée, plat, dessert. Très bien. Oui, parce que ça dure assez longtemps, ça dure une heure, voire une heure et demie. C'est vous qui payez? Vous inscrivez sur le site et vous réglez l'addition. Ah oui. Ça dure une heure et demie et c'est sans compter le trajet pour aller jusqu'au restaurant. Alors j'ai demandé quand même qui aujourd'hui peut prendre une heure et demie de son temps pour s'absenter de son travail pour aller déjeuner. On m'a répondu que c'était comme un déjeuner d'affaires, que c'était une manière finalement de le rentabiliser. Alors pour me le prouver, Fabienne Neveu m'a mis en contact avec Damien. Il a 38 ans, il s'est inscrit sur Colunching en juin dernier. Depuis, il en a fait une quinzaine et je lui ai demandé comment lui, il faisait pour y aller. J'y vais sur la pause déjeuner, donc je m'inscris sur la plateforme en général une petite semaine avant. J'y vais parfois pour le plaisir. Parfois parce qu'il y a des thèmes qui sont proches de mes problématiques professionnelles. Il faut sortir un petit peu de ses habitudes. C'est intéressant d'aller voir des personnes que vous côtoyez pas forcément tous les jours, qui font des métiers différents du vôtre. Des amis, je dirais pas ça, des connaissances, oui. J'ai rencontré une personne qui est devenue mon associée par la suite. Alors pour faire des rencontres amoureuses, c'est pas vraiment le thème. Après, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Eh oui, tout est possible puisqu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il existe un bébé Colunching. Ah, donc comme quoi ça dérape. Le Colunching, on vous mettra évidemment les liens sur le site de Bonjour la France. Vous êtes très nombreux encore une fois à nous appeler au standard pour parler du fait de déjeuner seul au restaurant.